Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Terre de France. Alors aujourd'hui, on est dans le marais audomarois. 35 km² de marais, de cours d'eau qui sont situés près de Saint-Omer, juste à la frontière entre le Nord et le Pas-de-Calais. Et on va partir à la rencontre de Rémi, de Nicolas, de Frédéric, des personnalités qui font ce qu'est le marais audomarois. Alors ils sont maraîchers, ils sont postiers, ils sont faiseurs de bateaux et ils vont nous raconter leur marais et nous emmener à travers une balade qui commence assez tôt le matin. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. I've got treetops under my head. I've got seasons under my bed. I've got troubles in the nighttime, troubles in the daytime too. Je vous emmène donc dans le marais audomarois. Vous allez voir, c'est un territoire étonnant. 3700 hectares de terre et d'eau et près de 170 km de rivières navigables. Labellisé par l'UNESCO, c'est le dernier marais maraîcher de France. Et c'est justement pour aller voir la coupe des choux-fleurs que Frédéric, notre guide, m'a donné rendez-vous sitôt. Frédéric, on va passer la journée avec toi, mais tu nous as dit ce serait bien d'arriver tôt pour assister à un moment un peu privilégié dans la vie du marais. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est le moment de la coupe du chou-fleur à la fraîche, au matin, dans la brume aujourd'hui. On a entendu le chant du coq, hein, il est tôt. Ah ouais, ouais. Bah, ils sont au travail depuis 6 heures au moins. C'est un moment pour voir le travail des maraîchers. Alors c'est un travail que tu connais bien, puisque ton père faisait ce métier, hein, c'est ça? Oui, mon père était maraîcher, j'ai pas repris le métier, mais heureusement il y a des jeunes qui ont repris le métier et qui perpétue le travail de génération et de génération de maraîchers ici dans le marais audomarois. Est-ce que c'est une activité vraiment spécifique au marais et qui est un peu, tu me disais, le chou-fleur, il est vraiment fait pour pousser ici, hein, c'est voilà, ça? Voilà, c'est le territoire parfait, c'est le dernier marais cultivé de France et il y a encore une quarantaine de familles qui travaillent ici en agriculture raisonnée un peu. Je dois déjà quitter Frédéric, on le retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Il est l'heure d'aller rencontrer l'un des personnages emblématiques du marais, Nicolas le facteur. Et si Nicolas est si célèbre ici, c'est qu'il fait sa tournée en barque. Il est le seul en France à livrer encore le courrier en bateau. Un bateau jaune, évidemment. Allez-y. Hop. Je vous laisse le sable bien au mieux. Alors c'est le début de la tournée pour vous, Nicolas? Eh oui, le début de la tournée, la première boîte aux lettres. Alors c'est une tournée un peu sportive? Un petit peu, oui. Donc vous êtes un des personnages emblématiques du marais? Oui. Vous avez commencé il y a longtemps, cette tournée? Je termine ma 7e année dans le marais. Et alors comment on devient facteur en bateau? Moi c'est totalement par hasard. J'étais au chômage, cherchais du travail. Ma mère travaille à la poste, elle me dit quoi, je cherche quelqu'un à la poste, donc si tu veux, amener ton CV, puis tu verras bien. Donc on m'a dit, par contre, c'est pour le marais, c'est en bateau, est-ce que ça te dérange? Je dis, non, ça me dérange pas, j'aime bien la nature, donc on y va. J'ai commencé par un CD de 3 mois, ensuite 6 mois, on arrive à un an, et puis après on m'a fait signer mon CDI. Et vous êtes adapté facilement? Oui, moi je suis originaire de Saint-Omer. Ah, ok. Donc forcément, les marais, je venais de me baigner quand j'étais petit, même si maintenant on n'a plus le droit. Je venais me promener en barque avec l'école, les centres aérés. Et c'est pas un endroit où on se perd un peu? Si vous avez un peu de sens d'orientation, vous n'avez pas vraiment repère parce qu'on tombe toujours sur le,
la rivière principale. D'accord. Par contre, ce qu'on peut perdre, c'est la maison. Oui, alors, mais oui, c'est, alors comment ça s'appelle? C'est des rues, c'est des... Non, c'est des ruisseaux. En fait, nous, c'est des watringues, les water gangs qu'on appelle ça dans le, ouais. le jargon. Water gang, ça veut dire quoi? C'est chemin d'eau. C'est, ouais, voilà, je pense que c'est une traduction du chemin d'eau. Hein. Vous savez, c'est un peu comme l'Africadelle, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne peut vous dire ce qu'il y a dedans. Quoi. Donc, il y a des numéros ou, Non. Non. Dans le marais, il y a très peu de numéros, tout fonctionne au nom. D'accord. Il n'y a pas de nom de rivière particulier, sauf à quelques endroits. Donc en fait, les gens, c'est monsieur Intel, le marais, sur les petits codes postales de la commune. Donc bah, des fois, on cherche un peu. J'ai commencé avec un plan du marais avec les noms des clients et les boîtes, les maisons où elles se sont situées. Ouais. On empêche qu'au début, on perd un peu les... La première tournée, elle a dû durer des heures, non? Je suis rentré à 5h du soir chez moi. Ah oui. Et vous êtes facteur aussi sur Terre? Oui, ça, j'ai une partie voiture avant à faire, tout à fait. Ouais. Et donc, la relation est différente avec les usagers en fonction La relation avec les clients est totalement différente entre la ville et le marais. Ouais. On est entouré de villes. C'est Saint-Omer, Saint-Martin-Hollard, tout ça, c'est quand même des communes à 10 000, 15 000 habitants. Mais le marais est au milieu un peu de tout ça et les gens, c'est un peu un petit village à l'intérieur. Les gens se connaissent un peu tous, ils s'entraident, ils se disent bon tout. On croise un pêcheur, on va se dire bonjour, on va faire un signe, tout ça. Alors que vous allez dans la rue, dans les grandes villes, vous croisez des passants et ils vous disent pas bonjour, vous êtes limite ignorant quoi. Alors qu'ici, non, tout le monde dit bonjour à tout le monde, c'est vraiment très agréable. Le risque principal, c'est quoi? C'est que le courrier tombe à l'eau ou que... C'est le gros risque principal. Je veux dire, vous voyez, là, je préparais mon courrier pour la prochaine maison. Si je ne croise pas, je ne suis pas à l'abri d'une rafale de vent et que le courrier s'envole. Oui. Et c'est déjà arrivé que vous chaviriez J'ai jamais chaviré, je suis jamais tombé à l'eau, je touche du bois, pas que ça arrive. Mais après, une lettre qui s'est envolée, malheureusement, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois depuis 7 ans. Quoi. Je sois beaucoup vigilant sur ce que quand je prends mon courrier ou mon téléphone pour faire signer un recommandé ou un courrier à un client. Et quand il pleut? Eh ben on y va. On prend le caouet et on y va. C'est vrai? Ben oui. Hein. Comme tout le monde. Alors il y a le chien qui vous attend aussi. Ouais, hein. Ouais, Dicky, ouais, il m'attend souvent. Et ça va, vous entendez bien avec les chiens? En général, oui, ça dépend lesquels. Dicky, il aime pas trop mes mains, quoi. Ah là, il y en a deux. Ah, mais eux, ils ont rien. Salut, bonjour. 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 Hé. Hey. Bordi. Au revoir. Bonne journée. Il y a des maisons qui sont vraiment isolées, là, encore Il y a des maisons qui sont vraiment isolées, il n'y a aucun accès. L'accès se fait uniquement par bateau. Là, on a des maisons qui ont un accès par chemin privé. Ouais. Donc moi, par exemple, la Poste n'a pas le droit d'utiliser les chemins privés. Les chemins privés vous appartiennent. Nous, en fait, la Poste ne distribue le courrier que sur les voies publiques qui appartiennent à l'État. Donc je ne peux pas y aller en voiture, ni en scooter. Donc en fait, on utilise le bateau pour y aller. Il y en a qui prennent le bateau tous les jours pour pouvoir aller prendre leur voiture qui se trouve sur le parking pour aller travailler, pour aller faire les courses, des choses comme ça. Il y a des gens que vous êtes la seule personne à visiter dans la journée. Bien sûr, ouais. Il y a des gens, il n'y a que moi qui vois dans la journée. Parce qu'il y a donc différentes générations qui habitent dans le marais. Dans le marais, il y a une majorité de personnes âgées. D'accord. Donc vous êtes aussi un lien. Tout à fait. Un lien fort avec l'extérieur. Ouais. Par contre, ce qu'on peut remarquer depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de couples qui arrivent avec des enfants. D'accord. Là, c'est une maison qui a été rachetée à des personnes âgées. Enfin, le monsieur est décédé, la dame est partie habiter du coup en ville parce qu'elle n'a pas de permis. Et c'est un couple avec 3 ou 4 enfants qui ont acheté cette maison. Les gens sont amoureux de leur marais puisqu'ils développent aussi ce marais en créant des gîtes pour faire venir les gens, pour...
des choses comme ça. Donc c'est bien, les gens sont impliqués dans leur marais. Une fois qu'ils y sont, c'est rare qu'ils partent. Ou quand ils partent, c'est qu'ils ont mal au cœur, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Bonjour. Vous allez bien? Juste beau soleil. Une bonne journée à vous. Au revoir. Alors vous êtes le seul facteur en France à faire votre tournée. Oui, je suis le seul facteur de France en barque, oui. Dans le monde, il y en a d'autres? D'après ce qu'on m'a dit, il y en aurait. J'ai un collègue en Guyane qui le fait en pirogue. Et après, peut-être que même dans le monde, je ne suis pas sûr qu'il y en ait parce que j'ai déjà la presse chinoise qui m'a déjà fait un reportage sur moi parce que ça ne connaissent pas ça. Donc vous avez vraiment de la chance de travailler ici quand même? J'ai de la chance parce qu'il fait beau. Et quand il pleut inverse l'hiver et qu'il fait froid et qu'il fait moins 2, je peux vous dire que j'ai moins de chance à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous êtes content? Ah oui, moi je suis content. Hein. Moi j'aime bien mon métier. Après, on est une famille de postiers. Hein. Mais je pensais pas finir facteur, j'ai d'autres passions dans la vie, mais bon, je suis très content de mon métier que je fais aujourd'hui. On quitte Nicolas à la fin de sa tournée pour retrouver Frédéric. Il m'a donné rendez-vous à quelques kilomètres de là, à Clairemarais. Coucou Frédéric! Alors, comment on se retrouve? Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? Bah, ça va bien. Tu m'aides à venir avec toi? On fait un petit tour? Ouais, on va aller faire un tour dans le marais, voir ce côté-ci du marais, où le facteur ne passe pas malheureusement. Alors Frédéric, on sillonne le marais depuis ce matin. On a cueilli des choux-fleurs, on a fait la balade avec le facteur. Mais j'aurais bien aimé connaître l'histoire de cet endroit. Parce que alors c'est 100 km de... plus 160, 100 km. 170 km de rivière. Voilà, alors comment elles se sont créées, tous ces bras d'eau et quelle est l'histoire du marais? Donc au départ, c'est Saint-Omer qui est venu sur la région et avec Saint-Bertin et d'autres moines, ils ont construit l'abbaye de Saint-Bertin à côté de la gare environ. Oui. Et c'est un vaste marécage ici. Voilà. Avant, donc, c'était pas du tout habité en fait. Enfin, pas du tout habité. Les premiers habitants ont commencé à s'occuper des parties les plus hautes du marais et donc à rehausser les terrains, à créer des rivières. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est fait de la main de l'homme. C'est l'homme qui l'a créé. Il n'y a pas que c'est pas des rivières naturelles, ça a été fait par l'homme. Et aujourd'hui, le marais, c'est toujours de la culture maraîchère. Et puis de l'élevage aussi. Il y a 1000 hectares qui servent pour l'élevage. Donc c'est... avec le maraîchage, une autre façon de pouvoir entretenir le marais. Et on a vu les choux-fleurs ce matin, mais évidemment, il y a d'autres choses. Ah, il y a une cinquantaine de légumes qu'on peut faire pousser ici. Donc, il y a l'endive aussi. On fait de l'endive en hiver. Il y a beaucoup d'endiviers encore par ici. Il y a les choux, toutes les sortes de choux qu'il peut y avoir. De la carotte de tilk, par exemple, à l'endroit où vous étiez ce matin avec le facteur. Il y a des variétés anciennes de poireaux, le poireau Leblon, plein de choses à découvrir dans les restaurants du secteur. Oui, il y a de quoi faire de pas mal recettes. Hein. Voilà. C'est qui Marie Grouette? Marie Grouette, bah, elle nous sert pas mal, nous parents, à faire peur aux enfants. On dit que Marie Grouette, elle est dans l'io avec cinq crochets et qu'elle va chaquer ses enfants avec cinq grouets. Donc, alors le grouet, c'est le crochet, c'est ça? C'est un crochet à fumier. Et elle attrape les enfants voilà. qui sont dans l'eau. On dit aux enfants de ne pas trop approcher parce que c'est sinon, pour leur, voilà. ils vont se faire happer par Marie Grouette. Et ça marche très bien. Oui, moi, mes filles avaient très peur d'approcher de l'eau et
Même simplement, des fois, en entendant le cri d'un oiseau, ils ont cru que c'était Marie Grouette qui riait. Et donc, mais c'est une bonne technique pour que les enfants fassent attention. Ah, oui, ils sont vite revenus à la maison et ils m'ont dit qu'ils avaient vu, ils avaient entendu Marie Grouette. Et elle a vraiment existé, mais est-ce qu'il y a eu une Marie Grouette Je ne sais pas. Ça fait depuis des siècles qu'on... Ah oui, donc c'est ça a marché avec moi, ça a marché avec mes enfants et ça a marché certainement avec mes parents. Voilà. Plein de choses bouger là, alors c'est vrai qu'on fait un petit peu de bruit, donc dès qu'on arrive il y a des petites bêtes qui se carapatent, hein, on peut le dire, on a vu des canards, des oiseaux, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux différents, moi je savais pas tous les nommer, hein. Alors donc, qu'est-ce qu'on trouve par ici? On trouve, il y a 220 espèces d'oiseaux qui sont soit de passage, soit qui nidifient ici, il y a 400 plantes, espèces de plantes, il y a une vingtaine d'espèces de libellules ou de demoiselles. Il y a des oiseaux assez communs, les canards colverts, les foulques, macroules, les poules d'eau, les grèbes huppées. Mais il y a d'autres oiseaux, des grandes aigrettes. On a vu un héron tout à l'heure. Oui, un héron, c'est assez commun. Après, il y a des aigrettes blanches, des grandes aigrettes, des hérons garde-bœuf, des cigognes maintenant. Ah, c'est vrai ? Une paire d'années, il y a des cigognes qui nidifient à deux pods ici, à côté de la réserve du Romelard. Il y a un peu toutes sortes à découvrir dans le secteur. Bon, on a beaucoup parlé du marais, mais j'aimerais bien qu'on parle de toi aussi un petit peu, parce que, en fait, toi, tu vis le marais depuis ta plus tendre enfance, en fait. Voilà, hein. Ouais, je suis né ici, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents maraîchers et d'aller au marais en Bakov, aller couper les choux-fleurs en Bakov, avoir toute une... des très bons souvenirs de cette époque-là. Et donc, j'essaye, depuis 2009, j'ai incorporé les greeters du Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est Alors, j'avoue, hein, moi, quand on m'a dit on va rencontrer un greeter, etc., je ne savais pas ce que c'était. C'est un terme anglais, greeter, c'est hôte. Donc, c'est accueillir les gens. C'est un habitant qui fait découvrir l'endroit où il vit. Souvent, on va voir mon père à sa maison pour discuter avec lui. Bon, on pourrait peut-être aller le voir tout à l'heure aussi. Ouais, c'est ce que j'avais prévu à ton papa. Te faire découvrir le petit paradis où il habite. Voilà. Bon, on a hâte. Là, c'est la maison dans laquelle vous avez grandi, Jean-Claude? Oui, j'y suis né, ici. Mais bien sûr, à l'époque que je suis né, c'était plus un toit de chaume, hein, parce que cette maison a brûlé en 1909. Et donc, elle a été reconstruite? Elle a été refaite et sur les anciennes fondations. Donc du coup, je vous présente Jean-Claude, hein, le papa de Frédéric qui nous accompagne depuis ce matin. Et puis donc avec vous, on va découvrir aussi ce que c'était que la vie du Marais il y a 40 ans. Oui. Voire un peu plus. Ouais. Alors, par commencer, c'était tout en bateau. Ici, il n'y avait pas moyen d'accéder autrement qu'avec un bateau. Alors, pour cultiver, fallait tout transporter avec le bateau. Y compris les choux-fleurs, moi, au début que j'ai commencé à travailler, c'était avec un motoculteur. Mes parents, même eux, quand ils ont commencé, c'était avec un cheval.
Et le cheval, on l'amenait en bateau. Ah oui, il fallait l'apprendre à monter en bateau. Et donc tout se faisait en bateau, l'école, on y allait en bateau. Oui, ma mère me conduisait en bateau et après je partais à l'école sur la route. Pas le temps de traîner, Frédéric me propose d'aller rencontrer Rémi. Avec sa famille, ils sont les derniers faiseurs de bateaux du marais. Et on devait transvaser à chaque fois nos productions d'un bateau ballon. Vous allez le voir, c'est une véritable histoire de famille pour un métier qui avait presque disparu. Et évidemment, c'est en bateau qu'on y va. Rémi, merci de nous accueillir dans ton atelier. Alors, tu es un peu le dernier des Mohicans ici, on va dire. Dernier des faiseurs de bateaux. Alors, ton histoire, c'est quoi avec ces bateaux? Comment tu en es venu à construire des bateaux et pourquoi justement t'es le dernier? Alors en fait, l'Escut et le Bakov, qui sont les deux bateaux du marais de Saint-Omer. Donc on a le Bakov qui était le bateau de charge, on pouvait y mettre jusqu'à 3 tonnes, 3 tonnes 5. L'Escut plutôt le bateau de la vie quotidienne. Il faut considérer que tout ce qu'il y a autour de nous à l'origine est accessible qu'en bateau. Mm-hmm. Donc le maraîcher va utiliser ces deux bateaux dans sa vie quotidienne et à son travail. Alors ces bateaux vont être utilisés jusqu'au jour où les maraîchers vont construire des routes, des ponts sur le marais, donc rendre accessibles les champs en tracteur, et à partir de là, le bateau va disparaître petit à petit. Alors moi j'ai vécu toute mon enfance dans le marais, je suis issu des familles maraîchères à la base, donc mes grands-parents ont cultivé toute leur vie avec les bateaux, et le marais on l'a dans le sang, dans l'âme, et lorsque ces bateaux ont disparu, j'ai toujours eu l'envie un petit peu de les relancer, ce qui fait qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, le dernier charpentier accepte de me former. À partir de là, je redémarre la construction des escutes et des bacoves. Comment ça se construit? Alors, le bacove et l'escute, ce sont des bateaux à fond plat, puisque ce sont des bateaux de marais. Ouais. Donc, dans tous les cas, on commencera forcément par le fond. Donc, le fond est totalement plat. On installera ensuite des pièces de charpente à l'avant et à l'arrière, qu'on appelle des étraves. Et à partir de là, on va concevoir la coque. Donc, on va se retrouver avec une coque qui est vide, et on va venir la renforcer avec des charpentes. Et alors tous les outils qu'on voit là, parce que je suis impressionnée quand même par la taille des marteaux, etc. On dirait qu'ils sont anciens quand même. Oui, voilà, on travaille avec beaucoup d'outils anciens, comme l'herminette, qui fait partie de la famille des haches, qui nous permet de calibrer les pièces de bois, donc les charpentes si tu veux, pour qu'ils s'adaptent à la coque. Ensuite, on va utiliser, les marteaux, on va utiliser quand même des marteaux récents, mais l'outil qu'on voit là-bas, c'est un maillet à calfaté, c'est-à-dire que l'étanchéité du bateau au final, donc on va faire entièrement la coque, on va la clouer, et dans l'atelier, ici, on va retourner le bateau. Donc on fera ensuite ce qu'on appelle le calfatage, c'est-à-dire faire l'étanchéité, on va faire ça avec du lin. Donc on va frapper du lin. C'est ce qu'on voit là, hein, le lin. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Donc on va frapper à force du lin entre les planches, et ça va faire un joint. Et tu travailles seul, ici? On travaille à deux. Puisque l'histoire veut que l'ancien charpentier qui lui arrête en 95 son activité me le transmet en étant à la retraite. Et deux ans et demi après, mon père me rejoint. Et comme c'est un métier qu'on transmet, puisqu'il n'y a pas de plan sur ces bateaux, je transmets le métier à mon père. Et depuis, on travaille à deux dans l'atelier. Et donc, la transmission s'est faite, c'est fait de génération à génération, mais pas dans le sens dans lequel on aurait pu l'imaginer. On essaiera de le faire un jour dans le bon sens. Oui, donc c'est un secret, en fait, de fabrication. C'est des méthodes de fabrication, qui pour la plupart datent du Moyen-Âge. D'accord. Donc on va rester sur des techniques. D'ailleurs, l'atelier est labellisé entreprise du patrimoine vivant. C'est-à-dire le savoir-faire qu'on a pu accumuler sur les Scutu Bakov ou sur les autres modèles, puisqu'on construit à peu près 15 modèles différents. On va travailler sur tous les marais des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, chaque modèle, c'est un savoir-faire. Et on est labellisé entreprise du patrimoine vivant. D'accord. Chaque bateau est unique, en fait. Voilà, chaque bateau est unique. Chaque bateau a sa propre histoire, surtout sur les modèles. Ici, on est sur des bateaux de maraîchers, mais on peut avoir des bateaux qui sont les bottequins, par exemple, des bateaux de secours derrière les péniches, les bateaux des ortillages d'Amiens, les plates. Enfin, on peut tout imaginer. Alors, il y a combien de bateaux qui sortent d'ici tous les ans? De l'atelier, en moyenne, entre 10 à 15. Sachant qu'il y a des bateaux qui sont très longs à construire, comme le Bakov, ça demande un mois et demi. Il y a des bateaux qui se construisent en 3-4 jours. Voilà. Mais tout dépend de la taille, tout dépend de la forme. Ça dépend de beaucoup de choses. Eh ben, c'est beau ce savoir-faire qui se transmet et qui se perpétue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Frédéric de nous avoir emmené voir les bateaux, la construction, c'était génial. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut voir. Hein. Allez. Vous verrez pas ça partout. Mais c'est sûr, mais d'ailleurs je n'avais jamais vu ça. D'accord. On est reparti. On va repartir.
Frédéric, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le marais au Domarois, ton marais, la vie un peu secrète du marais avec les choux-fleurs, avec le postier, avec ton papa, ta maison d'enfance. Merci infiniment. On a passé une excellente journée. Mais je sais pas vous, mais moi je reste un petit peu sur ma faim parce qu'on a découvert pas mal de choses qui se mangent, hein, les légumes, la culture, etc. Et on n'a rien mangé. Et donc moi ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on parte à la découverte de ce qu'il y a de bon à manger dans la région. Et voilà, et une petite balade gustative dans le marais au Domarois. À la semaine prochaine.